Ok, bah apparemment c'est parti. Donc, je dois théoriquement être en direct, il me semble. Bah, ça a l'air d'aller. Ça y est, je vais peut-être fermer celle-là, fermer ici. Ok. Normalement, ça devrait être bon. Le direct est lancé. T'as le son. Ok. Est-ce que ça marche? C'est pas. Ok, c'est écrit en direct, c'est bon. Bon, alors, comme prévu, l'idée c'était de faire un live très court sur le deuxième personnage. Je ne sais pas combien il y en aura dans le comics gameplay d'X-Men. C'est quelque chose qui va s'éloigner un peu de la bande dessinée. Ça vient de la BD, mais ça va aller plutôt vers un format numérique, donc on en avait parlé la dernière fois dans le premier live. Là, c'est le deuxième. Et donc, l'idée, c'est de montrer ce que va faire Léa. Deuxième chose, c'est que. Voilà, c'est quelque chose que je fais pour garder cette page active et montrer que l'X-Moon continue, même si on ne donne pas tellement signe de vie sur d'autres plateformes, sur d'autres réseaux sociaux. Mais là, en tout cas, l'aventure d'X-Moon, elle va continuer. Et donc ça, c'était la deuxième chose. Pour ceux qui sont toujours abonnés à la page et qui parfois like. Donc, je vois qu'il y a encore des gens qui regardent ce qui se passe sur cette page. Donc voilà, tout doucement, il y aura des suites, on va dire. Voilà, donc on va pas faire en sorte que ça dure trop longtemps, déjà 2 minutes 24. Et bon, bah, là, j'ai construit une scène spécialement pour la démo. Je ne sais pas si ça sera réutilisé dans le coming game plus tard. Mais en tout cas, on va pouvoir voir ce que déjà Léa peut faire. Chose qui va évoluer parce que ce qui va sortir de tout ça va être un prototype. Donc, ce qu'il y aura l'année prochaine, ça va être un prototype, ça va être un jeu fini. Il faudra beaucoup plus de moyens pour faire un jeu fini et de compétences aussi, parce que moi je suis quand même un peu limité. Et donc, voilà, c'était la précision à apporter. Et on va lancer ça tout de suite pour pas que ça dure une plombe. C'est parti. Donc là, déjà, on voit que elle est plutôt énervée, Léa. Et autant dans la BD, elle a tendance à se battre avec des bâtons. Là, elle va plutôt se battre avec ses poings et avec ses pieds. Voilà. Et on va essayer d'aller taper sur les petits squelettes qui traînent ici et là, qui sont totalement inoffensifs pour la démo. Donc l'idée c'est de leur taper dessus. Hop. Donc voilà, c'est essentiellement ce dont elle est capable pour l'instant. Et il y a un petit message qui dit je dois me reposer. C'est parce que elle a besoin d'un temps de récupération avant de voilà, avant de recommencer à taper. Si on tape trop, et ben il faut qu'elle se repose. Le temps que son énergie remonte un peu. Bien entendu, les petits items qui sont là, ça nous permet de booster l'énergie. Donc sur la barre bleue, on voit sur la barre d'énergie bleue que ça a remonté. Donc c'est un peu.
Lorsqu'on va arriver, voilà, là on ne peut plus rien faire, en fait, je peux appuyer tant que je veux. Il faut que je me repose. Et l'idée, c'est quand même de profiter de ça pour aller récupérer un peu plus d'énergie. Et de continuer à taper sur, sur ces squelettes qui sont quand même assez bêtes. Donc ça, c'est pour ce qu'elle est capable de faire de base. Ce qu'elle va être capable de faire pour l'instant, on va dire. Alors, je vais faire un échappe. Parce que ça commence à ramer légèrement avant de parler de la suite. Donc, oui, j'ai 2-3 trucs ouverts, j'aurais dû fermer plus tard. Je vais relancer et montrer en fait la suite. Voilà. Hop. Elle a une capacité spéciale, en fait. Une espèce de truc ultime qui lui permet de faire, d'expédier ses ennemis loin. Et normalement, ça. Voilà, ça les expédie de l'autre côté du décor. L'idée, c'est que. Voilà, ça permet de faire un peu le ménage quand parfois il y en a trop. Et là, bien sûr, comme j'ai utilisé pas mal d'énergie, je vais me reposer un peu. Et là, ça a l'air d'être bon. Donc, et voilà, on peut enchaîner. Pour l'instant, c'est juste la capacité qui est présentée, bien sûr. Voilà, il n'y a pas tellement de dégâts. Vu que c'est un niveau pour la démo. Donc, c'est une des. Ah, et l'autre chose aussi, c'est qu'elle peut aussi. Non, enfin, une fois que je suis reposé, on peut sauter et donner un coup de pied. Mais il faut bien viser, c'est pas forcément évident. Voilà. C'était sa deuxième. Enfin, une des capacités qu'elle a, qui sera reliée bien sûr avec un système d'expérience et de bonus d'énergie. Mais pour l'instant, c'était, comme j'avais précisé, juste savoir, juste montrer de quoi elle est capable. Et bien sûr, il y aura des bonus qui vont parfois déclencher des espèces de pouvoirs comme l'item qu'elle a. Donc on le récupère, ça commence à pas mal ramer. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc on voit que ça a éclairé quelque chose sur en haut. Quelque chose qui est apparu sur mon interface et normalement ça permet de se débarrasser. Voilà. Ça permet de se débarrasser d'un ennemi. Il faudrait que j'en récupère un autre, bien sûr, parce que c'est pas des choses qu'on va pouvoir. On va peut-être pouvoir les stocker, mais une fois qu'on l'a récupéré, voilà, on pourra se débarrasser de deux ennemis assez facilement sans avoir à leur taper dessus indéfiniment. Donc voilà un petit peu pour les A. Voilà, je vais pas faire un live plus long que ça. C'est à la différence de l'autre personnage qui s'appelle Michelle, qui va être l'héroïne du comics game, qui aurait plutôt tendance à utiliser des armes un peu dans tous les sens. Léa, elle va vraiment se battre au corps à corps avec ce genre de capacité. Bien entendu, il y en aura d'autres. Donc, dans le courant de l'année prochaine, je vais sûrement montrer un petit peu plus de choses sur ce qu'elle est capable de faire. Et puis voilà, et pour ceux qui regarderaient ce live et qui auraient des questions, ben n'hésitez pas, ceux qui fréquentent encore la page, n'hésitez pas à poser des questions, à demander des choses, j'espère que ça va pas trop ramer quand les gens vont regarder ça. Et puis ben, à la prochaine dans un autre live, donc en début d'année prochaine je pense. Donc là, on est à presque 10 minutes et donc ça va être le moment d'arrêter le direct. À bientôt.